et messieurs, la Côte d'Ivoire a fait le choix souverain de la démocratie comme mode de transmission du pouvoir au gouvernant. Aucune transmission de pouvoir ne peut se faire en dehors de l'élection, c'est-à-dire l'organisation populaire du suffrage du peuple. En application de ce principe, et conformément aux dispositions constitutionnelles et du décret numéro 2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du corps électoral, le 31 octobre 2020, 7 495 082 de nos compatriotes étaient appelés à exercer en toute responsabilité leurs droits civiques dans le cadre de l'élection du président de la République. Rendez-vous important et défi majeur pour la construction de la démocratie dans notre pays. Cette élection du président de la République était attendue autant par la communauté nationale qu'internationale. Ce 31 octobre était pour tous l'aboutissement de nombreux efforts consentis. C'est pourquoi je voudrais remercier le gouvernement pour les moyens conséquents mis à la disposition de la Commission électorale indépendante en donnant ainsi un sens à notre autonomie financière, comme le prévoit la Constitution. Je veux également témoigner ma sincère gratitude à la communauté internationale, notamment au système des Nations Unies qui, à travers le CNU, a accompagné techniquement et financièrement la Commission électorale indépendante. Je n'oublie pas non plus les pays amis de la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres organisations internationales, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO, la CENSAD, le Conseil de la Pente ou leur appui multiforme. Grâce aux efforts conjugués de tous, la Commission électorale indépendante a réussi un devoir républicain, une exigence constitutionnelle, celle d'organiser l'élection du président de la République conformément à l'alinéa 2 de l'article 56 de la Constitution. À l'appel du devoir, ventre à terre, coude au corps, talons aux fesses, genoux poitrine, nous pensons avoir répondu présent. La Commission électorale indépendante a effectivement répondu présent en mettant tout en œuvre pour que chacun de nos compatriotes qui le souhaitait prenne part librement au vote. Au terme des opérations de vote, nous avons constaté que globalement, le vote s'est bien passé. De l'avis de tous, les électeurs qui se sont rendus dans les urnes ont voté dans l'ordre et la discipline, démontrant ainsi que notre pays a gravi un échelon supplémentaire dans l'appropriation des vertus de la démocratie et du caractère sacré de la voix du peuple. Malheureusement, oui, malheureusement, certains électeurs n'ont pas pu voter en dépit de leur volonté de le faire, en raison des actes de violence observés dans certains départements. Des actes ayant entraîné des pertes en vie humaine, les destructions de locaux de la Commission électorale indépendante, des saccages de matériel électoral, de biens publics et privés. Je déplore et je condamne fermement ces violences incompréhensibles. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des disparus, souhaiter prompt rétablissement aux blessés, adresser ma compassion émue aux personnes ayant perdu des parents ou des proches. Je voudrais par ailleurs saluer le courage des commissaires centraux, locaux et tout le personnel de la Commission électorale indépendante, ainsi que les agents électoraux pour le travail remarquable
abattu. Je tiens à louer le sang-froid exceptionnel dont les forces de sécurité ont fait preuve, le courage et les initiatives heureuses prises par le corps préfectoral à l'effet d'apaiser les tensions et de permettre, dans certains cas, le déroulement ou la poursuite du processus électoral dans les zones affectées. Mes remerciements vont à l'endroit des organes de presse nationaux et internationaux qui auront été des relais efficaces et importants d'information et de sensibilisation de nos populations. Au moment où ce bilan est établi, deux sentiments contrastés m'animent. Un sentiment de peine, mais aussi et surtout un sentiment d'espoir. Ma peine se nourrit de l'impossibilité dans laquelle ont été mis certains Ivoiriens de prendre part au vote du fait des violences, si déçus des critiques. Au mépris de la Constitution qui dispose pourtant que le suffrage est universel et libre. Voter ou ne pas voter est un droit. Cette faculté constitue l'essence même du droit qui se résume à faire ou à ne pas faire. Mais quand on empêche autrui de faire ou à ne pas faire, on n'est plus dans le droit. Et là où il n'y a pas le droit, il n'y a pas la règle. Et là où il n'y a pas la règle, il y a le désordre. Et le désordre est le terreau fertile de toutes les calamités. Heureusement, ma peine s'évanouit dans l'espoir. Ma joie vient de ce que les Ivoiriens, dans leur majorité, dans leur grande majorité, ont exprimé leur volonté de recourir au vote pour choisir leur futur président. En témoigne les longues files devant les bureaux de vote, depuis le lever jusqu'au coucher du jour. Cette façon de faire est la meilleure parce que conforme à la Constitution, il prescrit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple transmet son pouvoir à ses gouvernants par le biais de l'élection. C'est cette élection que la Commission électorale indépendante a organisée le 31 octobre 2020. Elle est donc fondée à proclamer solennellement ce jour les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 comme issue. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afin Naissant Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Dédié Ona Aimé Henry, 53 330 voix, soit 1,66%. Wadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Emilia. Vraiment, le président a tenu sa mission avec la convention. Et le résultat provisoire de la présidentielle 2020.